Marseille. Voilà, c'est la classe, hein. Super. Voilà. Bah, j'espère qu'on va faire. C'est un petit teaser, quoi. C'est pour le petit teaser. Le panier. Voilà. Marseille. Donc on va aller voir Don Bijoutier. Voilà, tout simplement. Donc voilà, de toute façon, c'est l'occasion de faire un petit teaser. Je fais toujours un petit teaser après une interview ou avant. Des fois, ça m'arrive aussi. Donc voilà. Donc là, c'est avec plaisir que je vais pouvoir réaliser cette interview. Et c'est la classe. C'est super. Franchement, ça le fait grave. C'est Marseille, je kiffe. J'adore les artistes marseillais. Ceux qui font partie du mouvement. Voilà, hip-hop, etc., etc. Donc on est là, Hakimo. C'est parti. Les minots du panier. Voilà la famille. On est avec le bijoutier. Voilà. On va commencer en fait. Ouais. C'est comment dire, c'est un peu rare que je fasse un teaser avant de commencer l'interview. En général, je le fais au milieu, ça m'est déjà arrivé, ou à la fin. Et ben là, c'est une première. Ouais. C'est une des premières. Ouais. Tous ceux qui sont en train de mater là. Ouais. Big up, bienvenue à Marseille. On est à Marseille. T'as pas l'accent marseillais? Non, du tout. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah, parce que je suis pas d'ici à la base. Moi, ouais. Je suis un Marseillais adopté. Ouais. Je suis arrivé en 96 ouais. À Marseille. Je suis originaire de la banlieue parisienne. On n'est pas très loin de Meaux. Hein. Ouais. Moi, je suis du 93. Ouais. J'ai grandi à Neuilly-sur-Marne. Donc voilà. Qu'est-ce que je suis venu faire, à ton avis, ici à Marseille? Je sais pas. Qu'est-ce que je suis venu ici faire ici, là, en endroit? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est, ouais. Je sais pas. C'est toi qui vas me dire. Tu sais pas? Tu sais pas encore? Tu m'as dit que c'était improvisé, on va voir. Ouais. Et comment tu te sens, là? Je sais pas. Toujours bien. De toute façon, t'es sans tabou. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Ouais, donc. Pas de soucis. On parle de hip-hop, alors il y a pas de tabou. Ok. Non, il y en a dans les. Bah, je sais pas. Bah, justement. Moi, j'en ai pas. Justement, on va voir. Vous allez voir. Eh, la famille. En tout cas. C'est un Parisien, c'est un mec du 93 et il m'a accueilli avec l'hospitalité marseillaise. C'est juste ou pas? C'est ça, c'est ce que je t'ai dit quand t'es arrivé. Exactement. Bienvenue à Marseille. Voilà. On est dans le quartier, on peut dire. Du panier, on est au panier. Ouais. Voilà. Quartier d'origine, on va dire, de la Funky Family entre autres, et de tout un tas d'autres groupes parce qu'il y a la relève, et on en parlera sûrement tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de choses à parler. On est en tout cas en plein cœur de Marseille. Et la famille, je vous jure, je sais pas encore quelle question je vais lui poser, je sais pas encore. Donc, mais de toute façon, c'est ça qui est... Ça te fait rire. Ah ouais, ça me fait rire. Ah ouais? C'est toi qui poses les questions, moi je suis juste là pour répondre. Ouais. Et même si on n'a pas préparé les questions, on peut être un professionnel ou pas? Bah je pense, ouais. Ouais. Tu penses que je peux réussir à arriver où je veux ou pas? Je sais pas, on verra, je te dirai ça après. Ouais. Donc ça veut dire que vous le saurez pas, puisqu'on va éteindre pour le teaser, je vais éteindre le portable. Et voilà, et de toute façon, moi je tiens à te remercier déjà de m'accueillir, de me donner de ton temps. Akimo, écoute, c'est un plaisir, hein, je te l'ai dit, moi parler de hip-hop c'est toujours un grand plaisir, je partage mon temps, je partage ma passion, et je pense que le hip-hop c'est ça la base, la fraternité, l'échange, il n'y a rien d'autre. Je vais te poser des questions par rapport à la soul et la funk aussi. Vas-y, je suis prêt. C'est bon? Ouais. Ok, ça va la soul et la funk. Voilà. I got soul and I'm super bad. Super, merci. La classe. Allez, dans pas très longtemps ou dans longtemps, j'en sais rien, c'est des archives. Vous verrez cette interview, voilà, avec le bijoutier. C'est vraiment canon d'être là, en fait. Canon, canon, canon. Vous pouvez pas imaginer. Peace et big up à tous les Zoulous de France et d'ailleurs. Big up!